Oui, vu la physionomie du match, c'est vrai que voilà, c'est un point inespéré en étant mené à quelques minutes de la fin, en ayant subi quand même beaucoup de fois durant le match. Mais voilà, ça montre nos qualités et nos vertus qui sont le courage, la solidarité, ne rien lâcher. Et puis on a de la qualité puisqu'on a, je pense qu'on a une très belle occasion avec Christian en début de match. Et après, sur la fin de match, on sentait que ça pouvait à un partout, ça pouvait se jouer à pas grand chose. Et la bascule, elle aurait pu être de notre côté aussi, si on a un peu de réussite. Mais bon, on va pas faire la fine bouche, hein. On va dire que sur l'ensemble du match, c'était très difficile et c'est un point inespéré. On était conscient que c'est trop important de prendre des points ici, surtout pour laisser Genk arrière. C'est une super équipe, on le voit déjà à l'Europa League. Et c'est important déjà rester devant. Et maintenant, il reste 3 matchs et on doit donner notre vie, continuer. C'est comme ça qu'on va arriver. Je pense que défensivement, comme toutes ces dernières prestations, on a fait un très gros match. Je pense qu'on n'a pas laissé énormément d'occasions. Après, voilà, c'est dommage, on prend 2 pénaltys vraiment discutables. Je pense que sur le mien, déjà, il y a hors-jeu. Et après, voilà, il siffle penalty comme il peut ne pas siffler parce que je la prends du pied en premier. Après, voilà, c'est plus important, c'est on a encore les ressources nécessaires mentalement pour revenir dans le match et on le fait encore, c'est vraiment bien. Mais doit être comme ça. On avait parlé de ça, on doit être derrière. On est conscient qu'il n'y a personne qui nous va donner rien. Et on doit sortir avec un état d'esprit plus fort, on va dire, que les adversaires. C'est comme ça qu'on va arriver. Oui, c'est très serré, mais voilà, on sait que ça va se jouer jusqu'au bout. On a 2 matchs là qui arrivent très importants et qui sont pas faciles du tout. Tout le monde annonce que c'est des matchs faciles. Croyez-moi, ça va être très dur. Donc voilà, faut bien se préparer à un combat samedi prochain parce que Saint-Tron va vouloir faire un gros match et nous, il va falloir qu'on soit meilleur que ce soir dans le jeu pour gagner. On a besoin de notre public. Vraiment maintenant, on a besoin de ce numéro 10 sur le terrain et je prends les paroles de toute l'équipe de donner l'envie à tout le monde de venir pour les prochains matchs à domicile parce que c'est là où on va être les play-offs. On va être tous ensemble maintenant.